Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente l'application Update Hider. Donc, aussi, je voulais vous dire, vous avez pu remarquer que je fais un petit peu moins de vidéos ces temps-ci. Donc, c'est normal, j'ai d'autres choses à faire. Donc, ça se peut qu'à place d'être à tous les deux jours ou à tous les trois jours, ça soit plus deux par semaine au maximum ou un. Donc, c'est sûr que quand il va y avoir les jailbreaks, je vais les faire tout de suite. Mais pour les applications et tout ça, c'est sûr que. Et ça sera pas toutes les applications qui vont être présentées, donc je vais essayer d'en prendre quelques-unes de temps en temps. Une que je trouve quand même nécessaire comme Update Hider, je trouve que c'est vraiment utile, surtout quand on a Instalus. Donc, ceux qui connaissent Instalus, ça peut être utile. Donc, Update Hider, ça permet de cacher dans le fond les mises à jour de l'App Store, mais seulement ceux qu'on veut cacher. Donc, il y avait Metadata Remover de la source d'Aculo qui permettait, dans le fond, qui est intégré avec Instalus, qui permettait de cacher les mises à jour de l'App Store, mais celle-là, ça vous permet de choisir lesquelles vous voulez cacher. Donc, sans version 1.2 sur la source de Big Boss, vous pouvez faire installer, confirmer, c'est gratuit. Donc, je vais vous montrer ensuite qu'est-ce que ça fait si on va sur l'App Store puis on a une mise à jour. Donc, je vais sur l'App Store, je vais aller dans mise à jour. Ici, j'ai une mise à jour avec Twitter. Donc, c'est vraiment pas compliqué, on fait juste swipe. On fait juste glisser, puis là on a un bouton ignore qui apparaît. Donc si on veut vraiment l'ignorer, on clique dessus. Donc, je vais tout simplement cliquer sur ignorer. Puis une fois qu'on a cliqué, ça vous dit si vous êtes vraiment sûr pour l'ignorer. C'est seulement cette version-là qui va être ignorée. Quand il va en avoir une autre version, ça va se remontrer. Donc, si ça tombe, mettons, en 3.3.4, ça va se remontrer. Si vous voulez toujours pas la faire, il va falloir vraiment l'ignorer encore. Donc moi, je vais faire ignore. Et ça va tout simplement vous dire que toutes vos applications sont à jour. Donc, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de réglage. Ça se peut que dans les prochaines mises à jour, il y ait certains réglages qui permettent d'avoir plus d'options ou autre chose. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est tout simplement pour vous présenter l'application Update Hider qui est disponible sur la source de Big Boss sur Cydia gratuitement. Donc, il peut être très utile pour ceux qui utilisent Instalus ou autre chose. Donc, c'est ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchUserPro.com. Merci beaucoup, au revoir.